Qu'est-ce que je viens surtout pour les Breaking News à propos de la première partie en fait pour vous expliquer le nouveau smartphone chez Samsung qui est bien sûr le Galaxy S5 enfin dévoilé tout ça qui est un prix d'ailleurs plutôt cher hein. On se retrouve bien sûr avec les téléphones haut de gamme et dans cette première vidéo elle va être en plusieurs vidéos parce qu'il y a eu énormément de changements donc d'ici en fin de semaine vous aurez toutes les vidéos, il y en aura deux environ ou deux trois vidéos qui vont se suivre l'une après les autres, donc au total trois vidéos dans cette petite série en fait à propos du Galaxy S5 avec les nouvelles caractéristiques. On s'en fout des caractéristiques qui sont les mêmes avec les anciens Galaxy. Nous ce qu'on veut c'est les nouveautés, qu'est-ce qui change réellement, est-ce que ce téléphone va vous intéresser. On va voir ici avec les choses pour moi les plus importantes. Donc déjà au niveau du prix, le prix est relativement cher puisqu'il est à 650 €. On se retrouve donc avec un smartphone de haut de gamme comme je vous l'ai dit. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour rivaliser les autres Galaxy qui sont basés relativement à 400 €. Voilà, donc ça dépend aussi du Galaxy que vous allez prendre. Mais les autres sont environ à 400 €, celui est à 650 €. Donc il faut bien quand même à ce que Samsung mette des avant-premières pour que les gens soient intéressés et bien plus avec ce smartphone là que les autres smartphones. Qu'est-ce qui change? Et bien le processeur est largement plus puissant, c'est-à-dire pour faire finalement tourner votre smartphone dans les jeux vidéo essentiellement ou par exemple tourner des applications. Il y a quand même 4 cœurs, le Snapdragon 801 qu'on retrouve aussi.